La place Tahrir est noire de monde dans le centre du Caire et les manifestants égyptiens anti-Morsi sont surexcités. Ils ont gagné leur bras de fer contre le président islamiste. Ils savent que l'armée, en s'imposant dans le débat, s'est en fait rangée du côté des protestataires. Lors d'une déclaration solennelle, le chef d'état-major a déclaré la nation en danger. Le général Sisi a ensuite rencontré le président égyptien Mohamed Morsi. L'armée demande clairement au chef de l'État d'accepter de partager le pouvoir, sinon elle présentera son propre plan de sortie de crise. Les mouvements d'opposition jubilent, d'autant que 5 ministres ont déjà quitté le navire gouvernemental en présentant leur démission. Pour compléter le tableau, des hélicoptères de l'armée, drapeaux égyptiens au vent, ont survolé la place Tahrir comme à la parade, une mise en scène très hollywoodienne.